Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose de la couture puisque j'ai cousu deux robes, donc deux robes de la marque Dirandou. Donc la Belladone en gris et une robe bleue, ben voilà, celle que je porte là actuellement, du livre Dresde de Dirandou. Voilà, alors je vous propose les étapes, comment je me suis débrouillée. J'en profite pour vous montrer ma nouvelle machine à coudre et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, au passage, je vous présente ma nouvelle machine à coudre. Donc, c'est une broseur, donc Innovis VQ2. Voilà, donc elle est spéciale donc, pour coudre avec un étrant tactile. Donc là, on peut choisir les différents types de couture, les différents types de points. Elle a l'avantage d'aller sur le côté, donc je peux aussi savoir si je veux aller à droite, à gauche. C'est bien pratique pour mettre les anses de sac, si on veut ça. Il y a les boutonnières, le quilting aussi. Voilà les différents points. Décoratifs là que j'ai. Voilà. Ensuite, elle a l'avantage avec cette touche-là, enfin ce bouton-là de. Voilà, avec ce bouton-là, elle s'enfile directement dans l'aiguille. Là, c'est pour là, c'est pour baisser le pied ou le lever, voilà. Et là, pour avancer. Bon, là, elle va pas vouloir avancer parce que j'ai rien sélectionné. Là, elle va être de travers. Elle va aller faire son aller-retour. Néanmoins, en fait, sur le cadran, là, en sélectionnant ces deux touches-là, en fait, elle fait l'aller-retour directement et elle coupe à la fin si j'ai besoin de couper. Là, ça va être pour faire le nœud. Là, ça va être pour descendre l'aiguille. Voilà. Comme ça, je sais exactement où est-ce qu'elle va coudre. Là, pour couper si j'ai besoin de couper alors que j'ai pas dit qu'elle coupe. Et puis là, bien évidemment, les vitesses. Voilà, si elle va aller. Donc là, c'est hyper vite et là, c'est très, très, très doucement. Donc, et puis ensuite, au-dessus, là, j'ai de quoi mettre donc une bobine, deux bobines. Alors, ce qui est pratique parce qu'en fait, si je veux faire une canette, je ne suis pas obligée de tout démonter la bobine. Et je peux aussi mettre, j'ai une double aiguille aussi. Je peux mettre une double aiguille. Voilà. Et après, l'enfilage, bon, hyper simple, hyper rapide. Voilà, elle est vraiment trop top, je l'adore. C'est une électronique. Donc voilà ma machine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de la couture et notamment avec voilà, le livre Dresde que j'ai acheté en novembre dernier. Et dedans, donc du coup, il y a le patron d'une robe que je voulais faire. Donc aujourd'hui, voilà. Voilà la robe de Dresde. Donc il a fallu déjà que je récupère le patron sur internet, que je le monte, que je le coupe et que je le mette sur mon morceau de tissu. Donc j'avais acheté un velours bleu et. En fait, ils disent qu'il en faut 2 mètres et c'est vrai que j'aime bien avoir 2 mètres pour une robe, mais c'était la fin du rouleau, il en restait plus que 1,70 m.
Bon, j'ai quand même pris le risque de la prendre en espérant que ça rentre. Et puis, bah, tout a rentré, tout est rentré dedans. Donc, je suis super contente parce que, en fait, j'ai bien fait de prendre le risque d'acheter ce coupon de tissu de ce bleu velours qui était juste magnifique. Il est un peu élastique, donc du coup, couture un peu jersey. Alors, dedans, j'ai coupé. Par contre, j'ai coupé donc une manche. Voilà, mais par contre la manche, je l'ai coupée dans un chute de dentelle. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre de la dentelle. Il est le même bleu. Ensuite, j'ai coupé, donc il me faut, et je l'ai coupé. Donc en fait, il faut, voilà, un devant, donc une jupe devant. Voilà un peu le tissu, comment il est, tout doux. Donc j'ai besoin d'une jupe comme ça. Pour le devant et le dos. Et ensuite, j'ai besoin de poches. Donc là, j'ai coupé des poches. Et un haut. En fait, voilà, un haut comme ça. Donc le dos, là, c'est le dos et le devant. Voilà. Le dos. Et le devant. Voilà, donc dans ce tissu bleu. Et bien évidemment, il me faut une parementure pour le dos et une parementure pour le devant. Donc voilà, je voulais vous montrer où j'en suis avec ma robe donc d'Irène Doux. Donc là, pour le moment, j'ai cousu le bas. Voilà, le bas. Voilà, avec les poches et le haut. Donc, il va falloir que je raccorde le bas, le haut avec en mettant des fronces et ensuite de mettre une petite gouttière, enfin de faire une petite gouttière pour pouvoir mettre l'élastique qui va avec et ensuite il y aura toutes les finitions, donc les ourlets des manches et les ourlets, l'ourlet du bas. Et puis bien sûr, j'ai oublié tout ce qui est l'emmanchure, enfin non, l'encolure, pardon. Voilà, donc après il faudra faire l'encolure. Ah oui, petite précision, donc comme c'est un tissu un petit peu élastique, du coup j'ai fait toutes mes coutures en zigzag pour qu'elles ne cassent pas et qu'elles soient bien solides en fait. Voilà. Je voulais vous dire aussi que bah, en même temps j'ai commencé la robe Belladone. Donc voilà, c'est ce patron-là de Dirndl Doux. Donc pour elle, la difficulté, ça va être la fermeture éclair invisible qui se trouve derrière. Alors là, c'est une petite difficulté. Moi, j'ai fait le. Voilà, on voit derrière, il y a deux versions. Moi, j'ai fait cette version-là, la version avec le dos plein. C'est une forme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai une avec l'autre version et je la mets tout l'été. Et donc là, je l'ai avec un tissu gris. Donc pareil, j'ai fait le haut, j'ai fait le bas. Alors, il va falloir que je raccorde le dos. Voilà, parce qu'en fait, j'ai fait tout le devant droit. Non, le devant. Voilà, tout le devant est fait. Et il va falloir raccorder le dos. Et tout assemblé. Voilà où j'en suis dans mes travaux. Donc, c'est reparti. Alors, voilà, je vous montre déjà la robe grise. Donc, une belladone avec fermeture éclair invisible derrière. Et voilà. Et maintenant, je vous présente voilà, la robe en velours, un petit peu stretch, du livre Dresde. Donc, toujours un Dirndl Doux robe Dresde. Alors, je voulais juste faire une petite précision que pour coudre les fermetures éclair invisibles, j'utilise un pied de biche un peu spécial, qui est spécial pour les fermetures éclair invisibles. Donc, là, sur celle-là, il n'y en a pas besoin. C'est concernant l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura inspiré. Je vous dis à bientôt.